Je vais chercher un peu d'eau, sinon je suis foutu. Pardon. Ah, Top Radio, c'est la prochaine série télévisée que la RTI va coproduire avec un de ses partenaires. Le pilote du film a été présenté au MICA, le marché international de la télévision et du cinéma africain. Une série de 26 minutes qui met en évidence le rôle de la RTI dans la promotion de séries télévisées écrites par des jeunes talents. C'est une série qui est issue du concours Nouveaux Talents que nous avons lancé en 2014, dont un des gagnants est Honoré Esso, donc le scénariste de Top Radio. On a vu en plus les réactions du public qui étaient relativement positives. Ça nous donne envie de continuer et nous sommes fiers de présenter aujourd'hui ce projet au FESPACO. Dans cette démarche de la RTI, on n'écrit pas tout seul comme on a eu à le faire jusqu'à présent. On travaille avec d'autres personnes, ça fait que voilà, les scénarios sont un peu plus riches. Mélange d'anciens et de jeunes acteurs que les téléspectateurs de la RTI pourront bientôt apprécier. Je suis très, très heureux de vous avoir présenté cette future série de la RTI. Je vous présente la comédienne principale, Tela Pomahou, qui joue le rôle de Nena. Il faut dire que moi j'ai déjà travaillé à Abidjan, j'ai déjà tourné et j'ai interprété la voix de Bintou dans Aya de Yopougon. C'est super intéressant de travailler avec des gens comme Adama Daiko, Marie-Louise Asseux. Par sa présence à ce FESPACO, la RTI réaffirme la volonté de positionner la Côte d'Ivoire comme le hub sous-régional de l'audiovisuel.